La vie et l'éducation d'un humain ne sont-elles pas remplies de contradictions ? Dans les premiers mois de notre existence, nous avons appris à marcher, et puis on nous a invités à rester bien assis, à ne pas bouger. Après nous avoir appris à parler, nos parents nous ont appris à nous taire. Que dire alors de l'invitation de l'Évangile de ce jour ? Si quelqu'un veut grandir, veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous. Faut-il se rabaisser pour grandir ? Les disciples, en traversant la Galilée, discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus les invite alors à sortir de cette spirale de la comparaison, pour découvrir que si quelqu'un cherche à s'accomplir, si quelqu'un cultive ce désir un peu orgueilleux de réussir sa vie, eh bien qu'il prenne alors la seule voie qui n'amène pas de la comparaison et donc inévitablement de la déception. Cette voie, c'est le chemin de l'humilité. L'humilité, c'est-à-dire grandir selon l'Évangile, n'est en rien de l'abnégation ou de la dépréciation, comme cela a été si souvent mal compris au cours des siècles. Humble est celui qui s'enracine en lui-même, dans son humanité, dans ce qu'il est, dans ses talents, mais qui place néanmoins son centre de gravité dans le cœur de l'autre, sans se comparer à lui. Celui qui prend ce chemin d'humilité a fait le deuil de la toute-puissance. Il met sa joie dans ce qu'il est, dans son histoire, et ne convoite pas ce qu'il n'a pas. Il ne regarde pas la reconnaissance comme un objectif à atteindre ou un critère de réussite, mais seulement comme la conséquence possible de ses actes. Humble est celui qui a la sagesse de conjuguer véritablement sa vie au présent. Il ne l'espère pas plus épanoui dans un futur simplifié. Il ne la regrette pas dans un passé décomposé. Voilà pourquoi seule une personne vraiment humble peut vivre pleinement le quotidien de sa propre vie telle qu'elle est. Elle résiste ainsi à toutes les petites blessures narcissiques de la vie, car elle n'a pas besoin de sa ration quotidienne de reconnaissance. En ce sens, humble est celui qui sait rire de lui-même. Il a l'audace de ne pas se prendre trop au sérieux, mais de recevoir sa vie simplement telle qu'elle est, telle qu'elle lui est donnée. Et dans son cœur pacifié, il n'y a pas d'écart entre ce qu'il est et ce qu'il veut être. Il est libre face à cette recherche effrénée de l'accomplissement personnel. Et en s'acceptant lui-même, il accueille celui dont il reçoit l'être et la vie. Humble est donc celui qui se sent et qui se sait aimé par Dieu, élevé par lui. C'est pourquoi il est capable de grandir, de se laisser éduquer, d'accueillir ce qui le dépasse. La sagesse de Dieu venue d'en haut avec ses dons les meilleurs. L'humilité est donc une bien curieuse qualité qu'on ne peut évidemment jamais s'attribuer à soi-même. Mais pour le dire autrement, elle est ce principe de vie, cet horizon qui refuse toute logique de comparaison et donc de convoitise. D'où viennent tous ces conflits ? N'est-ce pas de tous ces désirs qui mènent leur combat en nous-mêmes ? Nous dit Jacques dans sa lettre. Et il ajoute, comme pour nous fournir une petite clé pour sortir de cette impasse de la comparaison. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Voilà donc l'invitation toute simple des textes de ce jour. La vraie grandeur de l'homme passe par cette capacité à demander comme des petits enfants. Demander, c'est finalement faire preuve d'humilité en reconnaissant son manque comme un enfant.
dans la culture juive de l'époque, un enfant n'a presque pas d'existence. Il est celui qu'on ne voit pas. Il est bien loin de l'enfant roi de notre société occidentale, l'enfant roi qui attire tous les regards. Mais cependant, la caractéristique de tout enfant, quel qu'il soit, est de demander. Un enfant sait qu'il est petit, qu'il a tout à apprendre, tout à recevoir. Mais il demande, il n'est qu'attente de relation. Trop souvent, nous avons peur de demander, par fausse humilité peut-être, parce que nous craignons un refus ou parce que notre ego a peur d'être redevable. Et pourtant, en demandant la sagesse venue d'en haut, comme des enfants qui ont tout à recevoir, on en ressort toujours grandi, élevé. Alors, ne cherchons pas la reconnaissance pour elle-même, mais accueillons cette grâce de l'humilité, cette audace de demander comme des enfants, avec ardeur et persévérance, les dons les plus hauts pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, notre vie s'épanouira en joie. Amen. Celles et ceux qui souhaiteraient recevoir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenberg peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Vous voyez à l'heure actuelle l'adresse pour les néerlandophones. Pour la Belgique francophone, RTBF, service des messes télévisées, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles. Pour la France, jour du Seigneur, 45 bis, rue de la Glacière, 75 013, Paris.